told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stop and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far it's shaking for my own. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break. Ça fait de la musique. Oh, c'est quoi ça? À moi. C'est quoi? C'est à moi. Ouais, je sais que c'est à toi. Non, mais arrête, c'est la musique, tu vas la casser. Alors, Julia. Attends, c'est énervant. Julia, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Passe une superbe journée avec papa, maman, tes frères et ta sœur. Sans oublier mamie et papy. Gros bisous, ma puce. Tata Tété, donc c'est Tata Séverine, Tonton Christophe, Tonton Cricri, bisous Louis, et c'est signé Juliette. Qu'est-ce qu'on dit? Merci tout le monde. Non, merci reste... tout le monde. Bien Tata, elle n'a pas entendu. Merci Tata. Oh, t'as vu un gros billet. À moi. T'es contente? T'es contente? Ouais. Ouais. Salut les bandits. On dit bonjour aux bandits. Bonjour. Bonjour. Voilà, regardez, on va tester la peinture. Parce qu'il a fait un temps dégueulasse, faut le dire. D'ailleurs, lui, vous avez vu la vidéo? Ouais. Quoi? Ça se voit presque. Ça va, ils vont passer le tracteur dans les champs. Et Patrick, il a dit, ah, hop, ce matin, on va faire un petit coup de peinture. Donc on a mis de l'anti-rouille, du minium. Et on va voir ce que ça donne parce qu'il a jamais testé la centrale basse peinture. Puis ben, moi, j'ai testé, mais pas peinture carrosserie. Donc on verra. Si ça fonctionne, mais je pense que ça devrait être pas mal. Allez, on te regarde et tu nous dis. Y'a rien qui sort. Alors, ça marche bien? Non. Mais à 4, hein, tant pis. Hein. Il aurait fallu mettre plus liquide dès le départ, parce que là, ça a bouché un petit peu, en fait. Ou alors, c'est encrassé, c'est mal nettoyé. Mais normalement, je l'avais bien nettoyé. Allez, on vous laisse. On verra le résultat tout à l'heure. Guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Salut, salut tout le monde. Bon, c'est la course, c'est la course. Pourquoi? Regardez, là, ça y est, on a commencé à faire les parois et puis on va faire les canapés. On a mis un petit coup de peinture derrière. Là, on va mettre un coup de papier peint vite fait pour dire de monter les canapés proprement. Moi, j'ai fait, ça y est, j'ai monté les petits meubles. Vous avez vu? Il y en a de chaque côté. Les réglettes sont collées, le balatum est collé avec du double face, et puis en fait, vous tirez dessus. Voilà. Là, les enfants, ils ont un côté avec leurs meubles pour ranger tout ce qui est affaires d'école. Non, pour ranger tout ce qui est armoire, et puis de l'autre côté, les jouets. Les affaires d'école seront sous le canapé. Sous les canapés, ouais, tout simplement. Vous voyez, regardez. Merci à Jérôme pour la petite astuce, franchement, ça marche super bien. Regardez, c'est trop bien. Hop. Ça finit vraiment tout seul. Franchement, c'est impeccable. Et ça y est, j'ai fait la petite découpe pour la petite trappe. Je mettrai des petites réglettes en alu, sûrement, pour que ça fasse plus propre. Et voilà. Donc là, on se dépêche avec Johan, parce qu'à 15h, il faut aller faire la pesée. Donc on range tout ça. Je ne vais prendre pas beaucoup de vidéos. Là, on se dépêche de faire ce qu'on a à faire. Et par contre, on se retrouve tout à l'heure. On partira ensemble pour la pesée. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Allez, je vais commencer à découper mes trappes d'aération pour le gaz. 50 cm carrés et il faut une aération basse et une aération haute.
Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Salut à tous. Salut. Bon, là, on a pris le bus. On va où? On va à la peser. Ouais. On va le peser. Essuie avant, essuie arrière, la totale avec tous les pleins. Et ça grince toujours, hein, c'est chiant. Ouais, ça grince. Apparemment, ça serait la direction du coup. Bah ouais, ça faisait pas avant. Donc là, on s'en va faire la pesée. J'ai appelé l'entreprise ce matin. Donc c'est bon, ils sont OK. Donc ils nous attendent. C'est la direction. Verdict. Un peu plus tard. Oui, parce qu'on a fait un petit jeu. Parce qu'on a fait un petit jeu, si vous vous rappelez, pendant le live. Celui qui se rapproche le plus possible du poids total de Captain, on lui offre une place pour aller au Salon du Bourget. Voilà. Donc, bah, par mail, on poids, attend vos réponses par mail. Poids en ordre de marche, ça veut dire poids vide. Donc voilà, allez, bon, à tout à l'heure pour la pesée. Ciao. Moi, je galère avec mes vitesses. Au bazar. Bon, si je fais 2, 2, 4, je sais même pas si je suis. Ça se trouve, je suis en 4. C'est pas évident, franchement. D'accord. Oh là là, la 2 et la 4, elle est vraiment collée, quoi. Après, je passe l'étage 5, voilà. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Mais je galère. Hein. Oh là là. Ouais, ça y est, on arrive là dans quelques secondes, hein, on arrive. Donc c'est cool qu'il y en ait un qui veuille bien nous faire peser, c'est vraiment cool parce qu'ils sont pas tous d'accord pour le faire. Ils nous sortent des tickets. Et en plus, ouais, ils nous sortent le ticket, comme ça on a la preuve pour l'Adréal, donc c'est top. Ticket avant, ticket arrière et ticket total. Allez, on arrive. Allez, on vous dit à ça tout à l'heure. En fait, on est trop content du total parce que c'est tout ce qu'on voulait et franchement, c'est trop génial. Et je peux pas vous faire voir parce que c'est un panneau à LED et en fait, ça clignote donc ça va pas. Donc, c'est moche. Never gonna come down from above. Everything looks better from above. Nothing's ever as it seems, yeah, except in that world that I dream of. Never gonna lose the ones I love. Never gonna lose the ones I love. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that world that I dream of. Content. Oh, on est trop content. Oh là là. On lui a seulement rajouté. C'est un truc de dingue. En fait, le bus maintenant il fait 1.2. C'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Donc, bah, on va reprendre tous vos mails. On va voir qui est le grand gagnant et on vous annoncera ça. Qui sont les grands gagnants? Parce qu'il qui sont les grands gagnants? Et on vous annoncera ça. Et faudra rester connecté pour savoir tout ça. On le mettra un peu partout, je pense. Bon, une petite précision aussi, le jeu n'est pas terminé. On voulait jusqu'à la fin du mois pour pouvoir essayer de deviner le poids, pour pouvoir essayer de gagner vos places pour aller au salon du
véhicule de loisir au Bourget. Ah, là, vous n'avez pas le poids, mais il faut nous le donner, il faut le capiner. C'est ça. Nous, on l'a le poids. Ah, et je peux vous dire qu'on est content. C'est clair. C'est un voilà. petit indice quand même. C'est un petit indice. Parce qu'on en a parlé dans nos vidéos, combien on aurait aimé qu'il fasse. Donc c'est un petit indice quand même. Voilà. Donc vous avez jusqu'à la fin du mois pour nous envoyer votre mail à notre adresse thevadrouilleurforever@gmail.com. Voilà, je vais y arriver. Allez, on vous embrasse. À plus tard. Ça se coule les routes de campagne. Ah, grave. Allez, à plus tard. Bon, ben, on se retrouve pour cette fin de vidéo. Ouais, Jérémy, il est en train de cuisiner. Je fais une petite pâte sablée. J'ai fait une pâte sablée. Si vous avez suivi toutes nos vidéos, vous savez que je déteste étaler la pâte, qu'elle soit brisée, sablée ou pas. Je déteste ça. C'est pas que je déteste, c'est qu'en fait, j'y arrive pas. Tu veux pas y arriver. Tout le monde peut-être. Donc, au final, c'est Jérémy qui l'étale parce que je prévois une petite tarte normande pour le dessert. Voilà, Julia qui est partie à la douche. Et on a fait plein de trucs aujourd'hui. Je montre quoi, Chouchou, en premier? Ben, montre les sièges. Voilà, on a revenu de la pesée, hein, voilà. Comme vous avez vu. Il y a toujours le jeu qui fonctionne encore quelques semaines pour gagner les places. Pour aller... deviner le poids à vie du véhicule. Et on vous le dira dans 2-3 semaines. Les 10 plus proches, avant ou après le poids réel, pourront venir au salon du véhicule de loisirs au Bourget. Donc, grâce aux places gratuites, ils peuvent y aller s'ils veulent. Oui, bah bien sûr. Et nous rencontrer, parce que nous y sommes quand même. Donc, les deux parois ici qui ont été installées. Top, hein, la tapisserie qui a été faite. Bon, ouais, j'avoue, c'est pas très bien fait, mais c'est normal parce que c'est Jérémy qui l'a faite. Non, c'est, pas moi. C'est pas moi qui a fait la tapisserie. Ah, c'est Johan. C'est Johan. Ah, mince. Ah, je vais lui dire. Et là... N'empêche qu'elle est mieux faite que toi. Attention. Je tourne mon écran. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les sièges qui sont mis pour les enfants. C'est pas cool, ça? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu recouvres allumettes, tu lui mets une petite couverture. Donc voilà, les sièges ont été installés. Franchement, c'est trop top. Fais attention, toi là-bas, je te surveille. Hein. Vieille tête. Et Julia qui se lave toute seule, c'est excellent. Grave. C'est trop bien le thermostatique. Donc voilà. Donc les sièges ont été mis. Franchement, c'est vraiment top. Et attention aussi, un canapé de fée. Bon, là, c'est pas les bonnes coussins. Si vous vous souvenez, c'est les vieux coussins de Flash. Heureusement qu'on les avait gardés. En fait. Ouais, là, c'est juste histoire d'eux parce qu'il y a les copains qui viennent manger ce soir. Et du coup, c'est juste histoire d'eux. Donc voilà, les canapés avec tout au long des petits placards de rangement. Qui va être en dessous, donc il y en a tout au long. Donc les canapés font 2 mètres de long. Il y en a un qui fait 2 mètres 10. Vas-y, tu vas tenir, s'il te plaît. Et hop. Aussi, il faut faire voir là-bas, on n'a pas fini. Il y a des renforts, il y aura une grille et l'air chaud va sortir aussi. Ah oui, derrière, ouais. Derrière, là, c'est normal qu'il y ait un trou parce que du coup, il va y avoir des renforts et la grille pour laisser passer l'air chaud. Et demain, ils attaquent ce côté-là. Et j'ai envie de dire que les canapés seront finis. Voilà, merci à Yo-Yo. Hein, ouais, merci beaucoup à Déborah. C'est bon petit plat. À la vache. À nous, il faut à manger midi et soir. Non, mais c'est excellent. Et du coup, le deuxième canapé sera fait demain matin. Attends, je vais venir avec toi sur la vidéo. Regarde, ça va être mieux. Si tu pouvais te presser à faire ma tarte aussi. Donc. Attends, j'attends la lumière. Ok. Donc, le deuxième canapé sera fait demain. Et puis bah, après, il faudra faire les coussins, les faire sur mesure. On sait déjà où aller. Hein. On ira à la belle couture à Noyant. Et puis, j'ai oublié le nom pour le tissu, mais je vous redirai tout ça à la flèche où ils sont top. Et après, ça sera fini. Et j'ai mis les grilles d'aération. Vous avez vu en timelapse, on a mis les grilles d'aération sur la porte et puis sur les parties gaz. C'était pas facile, hein, la porte, parce qu'il y avait des renforts et tout. C'est chiant. Il faut pas mettre ça à plus de 10 cm du sol. Donc, ouais, on l'a mis casse-pieds. En dessous, le sol, en fait, au final. Et du coup, tu as fait voir aussi mes portes de salle de bain? Tes portes? Bah, mon meuble. Non, bah, vas-y, va faire voir. Bah, Julia se lave. Ouais. Bah, on fera voir ça à la prochaine vidéo. Il y a déjà bien à voir, là. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai fini le meuble de salle de bain. J'ai fait les portes moi-même, j'ai mis mes petits boutons, j'ai tout fait moi-même, du coup je suis assez contente. Ça rend bien quand même. Hein, ouais, ça rend bien, franchement. Franchement, j'ai retrouvé ma voix. Merci pour tous vos messages, franchement ils étaient top. On vous quitte sur cette vidéo. Ouais, gros bisous à vous. On vous dit pour à la prochaine. À jeudi. Dimanche. Bah non, à samedi. À
Samedi ? Allez, poste jeudi. Oh là là, les semaines passent vite, c'est un truc de fou. On vous dit à samedi, à dimanche pour le live, on vous fait plein de gros bisous. Et à bientôt. C'est bientôt fini les travaux, c'est trop bien. Enfin, quoi que. Après, à nous la route. Voit, c'est la partie. Allez, arrête de parler, j'ai mal au bras. Qui reste à faire après. Ouais, c'est du taf encore, c'est vrai, il y a encore vrai. Un peu de taf. Pas forcément sur le bus, mais nos affaires à trier avant de partir. L'isolation des soutes et tout. Aussi. Là, il y a du boulot. Allez, j'ai et puis en bras. Plus, j'ai les biellettes de direction que j'ai soufflées qui sont morts. Il faut que j'échange avant le contrôle technique et tout. On verra tout ça une prochaine fois parce que là, c'est notre galère. Sinon, trop de trucs à dire. Allez, on vous embrasse. Gros bisous à Ciao. Tous. Bye bye. Prenez soin de vous. Et à samedi. Ciao. Je sais plus comment on met la sangle, faut que j'appelle Jérém, il va pas être content, mais on se retrouve tout à l'heure. Bon, c'est bon, bon, on y retourne. Allez, t'es prête? C'est parti. Oh putain, franchement, on a trop chié. Bah surtout moi, parce que Laetitia, elle a un peu rien fait. All the tears I-